Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Oh. Bonjour mes petits cœurs. Vous savez, c'est la routine. Tous les matins, je suis là, je contrôle le travail. Bonjour mes bébés. Bonjour, 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 bonjour. Je me détends chez moi. Tranquille, c'est agréable. C'est agréable. Connectez-vous, bonjour. Petit cœur. Mes petits cœurs, mes petits anges. On dit que quoi? On dit que la veuve joyeuse m'a maudit. Vraiment, hein? Lorsqu'on n'a pas d'argument, franchement, tu es ma mère pour me maudire. La haute. Je t'ai dit que tu dois aller te faire soigner. Viens te laver. Si tu n'as pas à Sarmenima, là où on peut te laver, viens en Kribi. Je t'amène là où on te lave. Gratuitement, on enlève tous les malchances, les mauvaises choses que tu as fait aux gens. Tu sors de là toute neuve. Tu as compris? Si tu n'as pas une personne à Saint-Mélima qui te fait ce travail, viens. Moi, je t'amène ici, là, chez moi, à Kribi. On enlève la malchance, la poisse que tu as portée. Tu as compris, non? Pourquoi qu'on peut maudire la femme de quelqu'un? Je t'ai dit ça. Tu n'aimes pas écouter lorsqu'on te dit des choses. Il faut arrêter. Tu n'as pas d'argument. Digère la vérité que j'ai sortie. C'est tout. Tu n'as pas d'argument, mangeuse de caca. L'internationale mangeuse de caca. Vraiment. Colossobre, viens te laver, ma chérie. Viens te laver dans mon village. Tu as compris? T'enlèves toute la poisse, la malchance, tout. Tu vas ressortir de là comme un bébé qui vient de naître. De venir insulter une petite fille comme moi. Petite fille que tu peux accoucher, mais je suis sûre. Petite fille que tu peux accoucher. Tu viens d'insulter, tu n'as même pas honte. Je t'ai pas tendu la main. C'est vrai que tu es très manipulatrice parce que ton... Le problème, c'est que nous, les Africains, vous savez, mes bébés, nous sommes très sentimentales. Vraiment. Lorsqu'on voit une veuve, tout ça, on a les sentiments. Mais ce n'est pas toutes les veuves qu'on doit tendre la main. Il y a des veuves qui sont bien, mais il y a des veuves qui ne méritent pas le soutien. Je pense même que tu fais les médicaments aux gens pour que les gens t'aident. Parce que tu es la seule personne que tout le monde t'a donné l'argent. Sur la toile, tout le monde t'a déjà donné de l'argent sur la toile. C'est bizarre. Tu dois pratiquer sur tes fans. Waboyez-vous. Ouais. Waboyez-vous, mes fans, vous êtes passés, je ne comprends pas. Ou c'est alors où on aime bien manipuler Chris Macadro. Voilà. Tu dis que quoi? Que je veux finir comme Élise la battante. Tu es barate. Ok, tu es barate. Tu es vraiment barate. Oh. Pourquoi être jalouse? Élise la battante a son domaine. Elle a son domaine. Si elle décide de mettre en location, elle a tout à fait le droit. Surtout que si la HLM là-bas ne paye rien. Alors. Moi-même, je pourrais faire pareil. Vraiment. Tu crois que si demain, une entreprise me dit que je te loue ton camp, ta conception là, en France, même on me dit 6 000 euros par mois, tu crois que je vais refuser? Je vais louer. S'il y a Airbus qui veut peut-être... Ils veulent héberger un grand directeur qui gagne peut-être 20 ou 30 000 euros par mois. Et que Airbus me dit que je veux vous louer vos conceptions à 6 000 euros par mois. Tu crois que je veux refuser? Je veux prendre.
Je viens m'installer au Cameroun, j'ai 6 000 euros. C'est ça que tu vas dire que j'ai perdu ma maison. Vraiment. Quand tu as ta maison en France, tu ne peux pas perdre quand tu as déjà payé ta maison. Ça, ce sont les conneries. Soit tu vends, tu as de l'argent, tu peux investir à gauche ou à droite. Ou alors, hein, tu décides de louer. Parce que tu considères que le genre, tu n'as pas besoin. Si de l'autre côté, on te fait sans job parce que tu as les enfants, mais autant là habiter là où tu ne payes pas de taxes, tu ne payes rien. Hein? Toujours en train de jalouser les gens, c'est vraiment. Élise, la battante te dépasse. Ça, c'est ça qui est la vérité. Elle te dépasse. Quelqu'un a les maisons partout, juste qu'elle a construit. Elle a construit même, je me souviens, non, lorsqu'elle faisait ses constructions, jusqu'au village. Jusqu'à adopter même hein, le petit garçon qui était brun brun là, le petit bébé là. Je me rappelle. Il vient parler. Franchement, il faut arrêter. Tu n'es pas ma mère, tu peux même pas me maudire. Je suis un enfant béni. Tu as compris. Tu as fait venir qui en France? Moi, j'ai fait venir plusieurs personnes en France. C'est ça la différence. Hein? Viens maudire une poupée comme moi, tu vas finir comme Élise là-bas. Attends, moi, je te dis donc aujourd'hui que. Et je fais l'annonce en même temps. J'ai un domaine. Je laisse ça entre 6 000 et 7 000 euros par mois. Vous avez ça. Les entreprises, c'est 7 suites. Mon domaine en France, c'est 7 suites. Pas chambre, suite. Parce que mes chambres font minimum. Minimum 17 mètres carrés, minimum à montant. Nous, on appelle ça les suites. Ce ne sont pas les chambres de 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés. Tu comprends? Tu crois que si on ne me donne pas 6 000, je parle même d'abord de 6 000 par mois. Maman, je viens m'installer ici, là. Je n'ai pas de crédit. Je ne paye pas le loyer. Je commence à faire mon commerce ici, sur Pénard. Les agences gèrent mes maisons là-bas et les appartements. On me vit seulement l'argent. Je suis tranquille. Même si l'école coûte combien de millions, je peux. Et en plus, chez les. Lorsque tu es français en Afrique, ici au Cameroun, je pense qu'il y a les écoles françaises, c'est gratuit pour les Français, non? Pardon, hein? Faut laisser ça. Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je te bénis. Toi, tu me maudis. Moi, je te bénis. Et sache que Élise, la battante, dépasse. Parce qu'elle, elle a investi jusqu'à adopter même un petit bébé. Je me rappelle de ça. Sauver la vie d'un petit enfant. Payer son éducation. Elle a fait quelque chose de noble. Comparé à toi. Toi, tu as donc fait quoi? Avec tous les enfants qui sont ensemble, il fallait aussi adopter, non? Voilà. On faut arrêter. Mangeuse de caca. On a mangé ça ensemble, non? On n'a pas mangé ça ensemble. Tu ne prenais pas la même cuillère comme je prenais la cuillère là. Tu n'as pas dit que c'était bon. Tu as mangé ça jusqu'à ce que tu étais contente. Je t'ai dit que je serais ta descente aux enfers. C'est moi qui va t'éteindre sur Meta. J'ai l'énergie, j'ai le temps. Quand j'ai envie, je parle de toi. Tu dis un an, moi, je peux parler 10 ans. 10 ans d'une personne, tu ne reconnais même pas. Parce que je pense que comme j'étais souvent silencieuse avec toi, calme. C'est parce qu'on m'avait tellement prévenu que j'étais calme. Tu n'as rien sur moi. Tu ne sais même pas si je porte les culottes, si je ne porte pas les culottes. Tu n'as rien. Tu ne connais rien. Tu es ancré chez moi, mais tu ne connais pas. Rien. Tu n'as pas d'argument. La maison d'une petite fille, clean, propre. Une petite fille qui a les employés en Europe, clean. Toi-même, tu avais confirmé avec les vidéos. Toi-même, tu étais épaté. Hein? Moi, je te bénis. Béni, tu viens, je t'amène, on te lave. Tu viens avec ta maman. Alors tu vas venir dire que je suis venu prendre tes chances. Viens, t'amène, on te lave bien même.
on tape les herbes de la brousse sur toi comme ça. On met sur la rivière, on tape comme ça. Pendant 5 nuits, tu dors à la rivière. Quand tu vas sortir de là, tu vas être clean. Ah ouais. Et tu serais calme. Tu as compris? Si à Saint-Mélima, tu ne trouves pas, viens en crédit. Je te rends encore un autre service gratuit. Genre, tu dis que tu n'as pas pris mon argent. Le premier argent que je t'avais d'abord donné là, c'était quoi? Sans compter tout le reste. Ouais. Une tabote. À un moment, il faut même se respecter un peu. Franchement, pas inventer ça. Tu as cru que c'est toi donc qui venait en faux profil, il faut appeler à veuve. Toi, tu peux me faire le chantage. Donc, tu as cru que comme tu venais au mariage, tu étais venu au mariage, tu avais les arguments. Et comme les gens n'arrêtaient pas de titiller, oui. Tu as voulu utiliser ça pour me faire un chantage, sachant que moi, je n'ai rien fait. Sachant que moi, tu n'as pas d'arguments sur moi. Watamata. Tu m'insultes, je t'insulte. Mais tu m'as amené en France, tu m'as aidé. J'ai mon nom, hein. Tu m'as jamais rendu ça. Moi-même, je me suis fabriqué la pimentière internationale présente. J'ai encaissé ça seul. Quand toi-même, tu m'as insulté avec le sujet du piment, c'est bon. Je suis arrivé sur la toile, personne ne m'a fabriqué. Ouais. Quand j'ai fait la musique, je voyais que vous ne me gérez pas, pourtant vous me voyez tout seul. J'ai dit, ok, vous allez donc voir. Ouais. Comme les filles là sont venues, j'ai dit, ah, je vais donc utiliser ça. Comme elles croient que ma haute sonne, ma chérie laisse. Je pense que tu as peut-être fait quoi après moi, hein? Je suis sûre, tu ne me connais même pas. Oui. Je t'ai dit que tu as un problème. Tu as peur. Tu ne bois pas l'alcool parce que tu aimes boire l'alcool. C'est pour essayer d'oublier les mauvaises choses que tu avais faites. Oui. Tu as touché. Et ça le fait que tu as touché, tu as mal touché. C'est ça que tu es en train de subir. La seule personne qui peut te délivrer là, c'est Dieu et la médecine traditionnelle. C'est tout. J'espère que quand tu viendras au Cameroun, tu vas écouter ce que je t'ai dit et tu vas essayer de trouver une solution. C'est tout. On vous dit souvent, ne touchez pas. Touchez pas les mauvaises choses. S'il vous plaît, mon électricien, c'est normal que ça reste comme ça, blanc. Hein? Les tuyaux, là. Ou on va mettre un... Oui, parce que je vois dans plusieurs endroits, c'est blanc. Pourquoi c'est blanc comme ça? C'est parce que le tuyau n'est pas assez long. Ah, d'accord, vous étiez obligé de couper. Ok, c'est bien. J'aime bien tout savoir, s'il vous plaît. Parce que demain, après demain, moi-même, je peux être technicienne. La copine. Ok. Est-ce que c'est un problème si elle me dépasse? Et c'est ma grande soeur, elle doit me dépasser. C'est même ma mère. C'est ma maman. Maman veuve joyeuse. Tu es ma maman. Tu peux m'accoucher. Tu es l'aîné de ma grande soeur aînée. Donc je dois t'appeler même maman. Je dois mettre maman devant. Agnaum. Tu as compris, non? Je suis un enfant. Je n'ai pas fait l'âge de Mkumba. Je ne connais pas ça. Quelqu'un s'est marié à 16 ans. Elle a conçu sa maison en 15 ans. Comme ça, là. Ah. La maison là où je suis, là. Regarde. Celle-ci, je ne la renouve pas parce qu'elle a toujours été payant. J'en chrétien, c'est au quotidien. Ce sont les autres que je renouve. Il y a un par là. Quelqu'un qui était femme. Une femme, madame. À 16 ans, on l'appelait à madame. Madame. Je suis arrivée en Europe, j'étais déjà dans le luxe. J'ai toujours vécu que dans les grandes maisons en Europe. Les palais, les châteaux. Tu peux me parler? Moi, je n'ai pas connu la galère en Europe. Hein. Je suis une princesse. Je suis une reine. Mais toujours dans le confort. Toujours que les bosses. Ma cuir fauve à femme. Le boss. Hein?
Lorsque une femme te bat bon ma bien, je suis une fille, je suis une crébienne. La ouais, si, la fierté de crébi. Ma, tu crois que ma bon ma foule s'en allait, genre? Ma bon qui ma foule s'en genre, ma chérie. Et ma cuit qui a bezizi me bot. Ma cuit a be fang bot. Be fang. Quand on appelle un fang, on fait un fang. C'est ça que j'ai voulu t'aider. Tu es venu me montrer que tu te contentais de ce que tu es en ce moment. Tu as compris, ma chérie. Rien, je renvoie tes mauvaises paroles sur toi-même. Je viens insulter l'enfant de quelqu'un. Je peux même tout laisser en France, ici, rien qu'au Cameroun, avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai aussi au Cameroun, je vis à l'aise. Je n'ai pas de loyer à payer chez les locations. Je peux décider de ne pas faire les locations pour ces jours. Même long séjour, là, je vis là avec mes voisins. Je mets là rien qu'en long séjour. Je suis à, hein, on va dire peut-être à 200 000. Là, 500 000. On va dire même le bâtiment là. Je parle par moins, 500 000. On va dire 700 000. En haut là-bas, 800, on va dire 900 000. Je suis déjà à presque 1 million. En long séjour, minimum, avec le Camerounais moyen. Moyen. 1 million. Je mange mon argent, je suis dans mon rez-de-chaussée. Tranquille. La petite a construit son avenir. Rien et ni personne ne pourrait faire descendre ça. Ah ouais. Vous avez compris? Sinon, je suis une personne de l'eau. Tu tentes, je veux descendre dans l'eau. Je veux faire 7 jours sans boire, sans manger. Je ressors de là. Maman, là que vais te montrer qu'on ne s'amuse pas avec n'importe qui. Sur cette terre. Tu as compris? La petite a cherché son argent pour avoir ce qu'elle a. Tu crois que quelqu'un va venir avec ses sales paroles, venir raconter n'importe quoi. Je te renvoie ça. Allez, retour. Tu as compris, non? Vraiment. Maman, ma perruque, si me va bien. Tu dis que tu as cuisiné chez moi. Oui, je t'ai offert une perruque d'une valeur de 700 euros. Tu n'as pas déchiré ça en public. Oui, je t'ai payé. Le cadeau que je t'avais fait en public, c'était une façon de te payer. Parce que cette perruque-là, j'aurais pu vendre ça. Regardez, ce sont mes mêmes cheveux ici-là. J'aurais pu vendre ça à quelqu'un d'autre. Donc, je t'ai donné 700 euros pour venir faire quelques petits... on appelle ça l'apéritif. Parce qu'on a dîné dans un restaurant. On a dîné dans un restaurant. Et toi, tu dis que tu as préparé. Chacun a payé sa... Chacun a payé sa nourriture. Maman, tu me fais rire. C'est minable. C'est malheureux. Mon fils, on gongol, si c'est musique, mais direct, on gongol, mon homme. Akiba, bouche. Hein? C'est vraiment minable. Vraiment, c'est pas gentil. Mais je m'en fous. Le jour que tu auras les arguments sur moi pour me clasher, je garde. Je suis une combattante. Je suis Francis Gano féminin. Je ne balance pas toutes les balles. Je me stocke. Le jour que tu fais boum, je fais boum boum. C'est le tonnerre qui tombe. J'ai encore comme ça. Bien même. Comme je n'arrêtais pas souvent de dire que je ne veux pas te clasher, je ne veux pas te clasher. Parce que tu es dominatrice. Mais tu as oublié que moi, je suis sadique. Il faut déjà comprendre une personne qui n'a pas de copine. Ça veut dire que la personne-là ne supporte pas l'hypocrisie. Tu as cru que tu pouvais, parce que vous, les influenceuses, là, parce que vous avez le monopole que vous pouvez venir saboter le nom des gens. Personne ne va vous dire quelque chose. Tu es alors tombé sur une autre influenceuse qui a déjà encaissé, tu mets ta fatigue. Qui a le sang en l'œil comme toi. Parce que toi-même, tu as le sang en l'œil. Moi aussi, j'ai le sang en l'œil. Tu crois que toi, tu vas me salir longtemps. Moi, je vais fermer ma bouche. Que on a. Et bolo jom. On a. Tu viens me maudire, attends que tu es ma mère, tu es,
Tu n'as même pas honte, tu es une arrière-grand-mère. Ma mère est vieille. Elle est cache. C'est bien, elle a dit que, pardon. Quand vous faites vos choses, vous avez des enfants, les jours, si elle a ta vie, elle a dit, bah, t'as un pourtant, ma mère t'aimait bien. Ouais, c'est même Christ, franchement. Christ. Voilà. Mon chef chantier de Valais. J'ai dit, vraiment. Tu crois que quoi? Venez, on tape les divers. Attendez, je vais prendre le chargeur. Je vais essayer de charger quand même mon téléphone. Si sinon, ça va s'éteindre. Passez ça alors comme ça. Je fais les directs et ça s'éteint. On est en train de me faire les prunes. J'adore les prunes et ça me fait penser quand j'étais à mon atelier. Vous savez que j'ai grandi à mon atelier. J'ai fait mon atelier. Ribi, Douala. Un instant d'adaptation direct. Je prenais le chargeur. Merci. Tu peux faire dodo. Vous voyez comment on dort chez moi. C'est bas. Excusez-moi, vous savez que nous, je suis au Cameroun. Hein. Attendez, ça commence. Allez, on a pas bon, là. Ah bon, je me taille. Connectez-vous. Vous n'avez pas le réseau. Je charge dans... Un enfant béni comme moi. Ah. chérie. Merci, merci. Merci, tonton JB. Un enfant béni comme moi. Merci. Celui qui a mis la tête de moi, là, je... ah ben, avec la peinture, un tion, peinture noire, t'as un abeille. C'est seulement salissant. Et comment mes doudous, excusez-moi, c'est le réseau. Vous savez que nous souffrons ici. Au Cameroun, avait le réseau. Je ne sais même pas comment les influenceurs, eux, ils font, hein, franchement. Et je dois appeler, quand on doit venir m'installer mon truc ici. Hein. Je veux rappeler le gars là. Je ne sais vraiment pas comment les influenceurs camerounais arrivent à travailler. La connexion, vraiment, ça ne va pas. Hein. Et c'est le pourquoi, parce que je connais quelle fin. Je connais quelle fin. Ça, ce sont les paroles des gens pour décourager les ogres. Excusez-moi. Je connais quelle fin. Donc, ça veut dire qu'elle aussi qui était dans le confort, elle a tellement fait du mal aux gens. C'est pourquoi elle a fini comme ça. Je suis désolée. Donc, vous acceptez qu'elle insulte ma maman? Vous acceptez qu'elle m'insulte? Elle doit se laver. Arrêtez d'encourager les bêtises. Elle doit se laver. C'est la poisse qui la suit. Elle-même, elle sait. Elle a touché, elle a pratiqué. Sur les noms des gens. Elle a pris les chances des gens. C'est ça qui la suit aujourd'hui. Qu'elle vient dire ici que je mens. Vous croyez que quand vous faites du mal aux gens, vous payez ça ou vous partez en enfer. Vous êtes sûr que l'enfer existe? L'enfer n'existe pas. On ne vous mente pas. Vous payez ça de votre vivant. Tu payes ça de ton vivant. Pourquoi les églises existent? Hein? Parce que quand tu as tellement... fais du mal, tu vas, tu te confesses. Tu as compris, non? Et on te bénit, on te pardonne. C'est comme ça, les prêtres sont là pour ça, pour bénir. Lorsque tu as fait les mauvaises choses, tu vas, tu demandes pardon à l'église. On te pardonne. Sinon, tu payes de ton vivant, tu payes le mal que tu as fait aux gens. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Arrêtez. Bonjour.
Oui, Jean Mécal, là, on le cherche. Donc, vous encouragez les bêtises. En tout cas, moi, je ne gère pas. Je ne gère pas ça. Ah, c'est facile. Bon, il va accepter n'importe quoi parce que de peur de quoi. C'est moi qui l'a, rendu comme ça. Mais la connaissait avant moi. Je l'ai rendu comme ça. Il faut arrêter. Je l'ai toujours dit en privé qu'il faut qu'elle arrête de se comporter comme ça. Dès que comme ça, mais vous savez qu'elle n'écoute jamais quelqu'un. Comme elle croit qu'elle est roi russe. Elle n'est pas roi russe, ma chérie. Bonjour. Si tu ne fais pas ça, tous les grands hommes que tu vas rencontrer vont fuir. Je t'ai dit, je suis sincère, je parle avec toi. Je parle posément, je ne te clash pas. Je parle avec toi. Que si tu ne fais pas ce que je t'ai dit là, tu vas voir que tous les grands hommes que tu vas rencontrer, écoute-moi bien, vont fuir tout seul. Surtout la maçonnerie. Oui. Pour la maçonnerie, hein, on va litiger sur le sous-sol là, là où il y aura la laverie. Bonjour mon frère. Donc il arrange, attendez, qu'il ferme, oui mais qu'il fasse ça bien là, comme des bonnes finitions au sous-sol là-bas. J'arrive. Bonjour. Alors, vous avez compris, il faut souvent dire les vérités aux gens. Mm-hmm. C'est une peureuse, hein. Je vous dis. Elle a mal être en elle. C'est la, elle donne l'aspect qu'elle montre aux gens sur la toile. C'est juste des scénarios. Sinon, elle a très peur. Je l'ai assez aimé. J'avais bien saigné. C'est bon, hein. Plantez mieux. Et je vous donne un bon appétit. Hein? Mangez, pardon. Il vient maudire l'enfant de quelqu'un et je vais te laisser. Et renvoie ça sur toi. Maudit, on essaie, bah, et tout. Hein. Tu vas finir comme Élise la battante. Élise la battante n'est pas finie. Hein. C'est une bosse, elle dit. Elle a raison. Il y a nos papas Bamileke ici qui ont souvent les immeubles, mais ils louent une petite chambre. Vous avez oublié ça. Les papas Bamileke construisent les immeubles, louent, gagnent peut-être 10 millions par mois. Et ils sont à Douala, ils sont pleins. Et ils sont dans une petite chambre en location. À 15 000. Le reste, elle garde ça pour ses enfants. On émite ce qui est bon. Donc, moi, tu crois que si je n'ai pas quelqu'un qui me dit 6 000 euros par mois, je veux refuser que j'ai peur de qui? Maman. Bien sûr. Quelqu'un vous dit que sa maison est en location, ça devient que. Si on te donne une maison gratuite, pourquoi tu ne vas pas mettre la location? C'est ça être une businesswoman. Ça te rapporte. Si c'est ce que tu attends, ma chérie, tu vas attendre longtemps. Je te dis que même dans la sorcellerie, ça ne peut pas marcher. Tu vas attendre ça longtemps. Moi-même, je ne suis pas simple, maman. Tu vas attendre ça longtemps. Ça va bon. Comme vous aimez souvent maudire les enfants des gens, personne t'a tendu la main. T'a donné de l'argent. Eh, mon pote, oh, mon pote anglophone. T'a donné de l'argent. T'a valorisé. Tu ne vois pas ça. J'étais valorisé, j'étais donné de l'argent, j'étais fait de la publicité. Oui. Tu as vu les restaurants là où je vais manger? Tu connais mes restaurants? Mm-hmm. Je suis allée dans ton gâteau à manger. Attendez, excusez-moi. Bien parler, c'est pas parce que moi je n'aime pas quand
quand j'ai aidé quelqu'un, je n'aime même pas souvent trop parler. C'est toi-même qui m'a fait parler. Moi, je suis souvent, j'ai dit, ah, mais comme tu ne